Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, courageux dans la foi, je vous salue au nom de celui qui surpasse toutes choses et je vous invite à me rejoindre dans la louange et dans l'action de grâce à l'Éternel notre Dieu qui nous donne la possibilité de passer la moitié, disons la première moitié de cette journée à l'ombre de ses ailes, qui nous a soutenus au cours de cette semaine et qui nous donne déjà de nous mettre en préparation pour la fin de la semaine. Certains diraient pour le week-end, mais nous autres, nous avons en vue surtout l'arrivée du Saint-Sabbat de l'Éternel. Chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde même que nous passons dans la vie ici-là, nous devons considérer comme une grâce spéciale de la part de Dieu. Moi, par contre, si vous croyez comme ça, mais m'a posé tête une question, qui monde qui pas ta croire comme ça? Qui monde qui croit dans bon Dieu qui pas ta croire comme ça? Alors, je vous souhaite, mes chers amis auditeurs de cette plateforme, cri des martyrs, bon courage et bonne persévérance. Nous allons partager avec vous en ce midi la méditation. Mais bien avant de la partager avec vous, je vous invite à chanter avec moi au numéro 359. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Frères et sœurs, bien-aimés, la méditation que nous avons à votre intention en ce midi, ce vendredi 26 novembre 2021, est ainsi titrée « Avec Dieu ». Avec Dieu.
Bien-aimés sœurs et frères, laissez-moi vous dire en ce midi qu'avec Dieu, nous sommes comme la mâchoire d'âne dans la main de Samson avec laquelle il tua 1000 hommes, selon Juges, chapitre 15, le verset 16. Avec Dieu, chers amis, nous sommes comme la fronde de David avec laquelle il tua le géant Goliath, selon 1 Samuel, chapitre 17, le verset 20. Avec Dieu, nous sommes la verge de Moïse qui défia le Pharaon et partagea la mer Rouge, selon Exode 14, les versets 21 et 22. Avec Dieu, bien-aimés sœurs et frères, le faible, le plus faible, devient fort. Rien n'est apparemment plus faible et à la fois plus invincible que l'âme consciente de son ayant, mais qui s'appuie sur les mérites du Sauveur. Testimony for the Church, volume 7, page 17. Qui t'aime essayer de dire ça en créole pour être capable de comprendre ça, puis bien, bien aimé. Il dit pas gain rien qui paraît tellement faible, ni qui paraît plus invincible que yon âme qui prend conscience que le pas rien et qui a pillé lui sur les mérites de Jésus, notre Sauveur. Laissez-moi signaler également, mes chers amis, que l'idée ça yo que m'a partagé avec nous, hein, moi tiré dans ce livre écrit par Jensen et Gloria Troutman, titré « La puissance de la prière fervente ». C'est dans le livre ça que nous trouvons l'idée si là yo qui très réconforte. Chers amis, Dieu prend plaisir pour le capable accorder puissance li à n'importe monde qui reconnaît faiblesse yo et qui appuie yo sou li. Mais bien dit, bon Dieu prend plaisir pour le capable accorder puissance li à n'importe monde qui reconnaît faiblesse yo et qui gagne li comme appui. À l'instar de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12 le verset 9 qui te dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est parti par nos frères et sœurs. En sorte que, mes chers amis, vous qui m'écoutez en ce midi sur cette plateforme, cri des martyrs, moi pas qu'on est sous qui est que vous appuyez vous. Mais si m'ta gagne un conseil pour m'ba ou, suspend appuyez sur les hommes. Suspend appuyez sur yon monde qui que nous capable considérer comme étant yon être faillible. Mais en nous appuyer non sur le Seigneur. Si yon monde m'a recommandé ou en ce midi, li pa préside un pays que ou même ou a évolué là-dedans là. Li pa monde qui habitué aider ou là. Mais monde ça li pa l'autre que Jésus de Nazareth et c'est lui même que me recommandé en ce midi. L'histoire de Gédéon illustre mes chers amis de manière spectaculaire la puissance avec laquelle Dieu agit dans la faiblesse. Après avoir renvoyé 32 000 soldats, Dieu va donner la victoire à Gédéon avec seulement, et vous connaissez l'histoire, 300 soldats, selon Juges chapitre 7. Lorsque Josaphat, mes chers amis, le roi de Juda, te reconnaît faiblesse li devant triple nation sa yo qui t'est levé pour affronter li. Li t'est imploré
l'aide de Dieu. Et bon Dieu te bail une victoire éclatante. Et remarquez avec moi quelques éléments dans sa prière, dans la prière de Josaphat. Josaphat priait, il dit: Ô Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Selon 2 Chroniques chapitre 20. Parfois dans situation difficile, yo moi pas connais sous qui est yeux fixé bien-aimé. Parfois dans moment noir yo, lorsque ou pas en haut ou pas en bas, moi pas connais sous qui est sous fixé yeux. Mais Josaphat te gagne une multitude nombreuse devant lui. Malgré lui te gagne une armée que lui t'a dirigé. Mais ça pas empêché que lui dit Dieu lui fixé sous bon Dieu. Maintenant, je en ce matin, ça qui est impossible pour vous. En ce midi, je dis ça qui est impossible pour vous, c'est possible pour bon Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on ait problème que vous avez là. Mais tout simplement, remettre-le dans mes bon Dieu. Et quelle était la réponse de Dieu? Dieu disait: Ainsi vous parle l'Éternel, soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de Dieu. Et nous disons Amen. Frères et sœurs bien-aimés, moi par contre, qui combat vous menez dans ce moment ça? Moi par contre, qui situation fait face à lui dans ce moment ça? Même les dire, si vous croyez dans bon Dieu tout bon, qu'on est que combat ça, il n'est pas pour vous, mais c'est pour l'Éternel des armées liées. Oh bien-aimé, dossier famille là, peut-être pour l'école là, mais t'as même dit, de pourquoi dans bon Dieu, quitte là, mais bon Dieu, il n'est pas dossier, c'est dossier papa bon Dieu lié. Besoin nous, yo frères et sœurs, yo pas besoin nous. C'est bon Dieu qui crée nous, il connaît tout ça que nous avons besoin. Quitte yo nan men li et puis fais confiance. Fais confiance. Frères et sœurs bien-aimés, nous-mêmes qui écouter moi en ce midi, moi ta remè dis nous que nous pas gagne rien pour une crainte. Nous pas doit inquiéter nous pour rien. Puisque la parole de Dieu nous dit clairement: ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Parfois, si nous te prenons le soin pour prier le Seigneur, le problème nous sommes capables de résoudre déjà. Et lorsque nous sommes dans un moment noir, nous avons des difficultés, Papa mon Dieu déjà disposé pour être capable de répondre. Ah non, pour bien une solution à problème là. Mais l'attendre que nous fait premier pas, l'attendre nous venir à lui-même. Mais parfois, je nous compte fixer sur un patron, je nous compte fixer sur un, je dirais, sur quelqu'un qui peut-être promet nous que la fait qui choy pour nous. Le ça, bon Dieu était, il campait à distance, l'a gardé nous. Et certaines fois, nous connons victimes, nous connons honte. Même dans mes dieux, si on grand monde n'a pas besoin de moi ensemble avec lire le Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, nous pouvons tout, tandis que sans lui, nous ne pouvons rien. Quelle que soit capacité que vous gagnez, quel que soit moyen que vous gagnez à disposition, quel que soit monde que vous gagnez à disposition, qui t'aime dire sans bon Dieu, ou pas qu'à faire rien. Si toutefois ou pas gagné rien, si toutefois ou pas gagné monde, ou pas gagné aucun moyen, moi je voulais vous connaître avec Dieu, tu peux tout, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés, soyons avec Dieu.
que par cette méditation, mes chers amis, nous puissions nous retrouver avec Dieu, puisqu'avec Dieu, nous triomphons toujours dans les combats. Puisse le Seigneur vous aide et vous bénisse tous. En cet instant, nous allons prier le Seigneur et nous vous demandons, mes chers amis, de prendre une attitude révérencieuse à cela. Et nous allons prier en ce midi pour tout un groupe de personnes. Une liste nous a été soumise. Nous allons prier en ce midi pour la sœur Luni, Dolce et famille, la sœur Linda Sévère et famille, le frère Wesley Altidor et famille, le frère Franklin Dossou et famille, la sœur Iramène Williams et famille, la famille Robinson, la famille Kenson Métayer, la famille Léodet Alexandre, la famille Élude Jean, le frère Eddy, le frère Siméon Wilner Bernadette, la sœur Louinid Nancy Saïka, le pasteur Apo, la sœur Milan Dazor et famille, la sœur Linva Slandina Jules Sandli Alex, et la sœur Iberson Jules Liva. N'ont pas oublié prier pour la sœur Maud. N'ont pas oublié prier pour les supporters de cette plateforme, les supporters du groupe Cri des Martyrs. N'ont pas oublié prier pour tout le monde, d'une façon ou d'une autre, qui a supporté le travail ça qu'a fait là. C'est le moment pour nous capables de disposer nous. Pour être capable de prier le Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous nous approchons de toi en ce midi par la prière avec le désir d'être avec toi. Nous voulons que tu sois avec nous, Seigneur, puisqu'avec toi, nous connaissons par la foi tout ça que ça a rapporté nous et tout ça qui est capable d'épargner nous. S'il te plaît, pendant nos vies de bon côté ou en ce midi, pas quitter un lien. Empêcher que nous avec vous. Les mauvais désirs, la convoitise, la tentation, les mauvaises pensées, voire les mauvaises actions. Épargnez-nous de yo, s'il te plaît, mon Dieu. Ça que nous fait déjà, que vous êtes capable de purifier que nous de yo, que vous êtes capable de purifier notre nom et permettre au Dieu capable avec nous effectivement parce qu'avec toi tout mal a changé en bien, avec toi toute tristesse a changé en bonheur, toute tristesse a changé en joie, toute tristesse a changé en allégresse, tout avec toi toute impossibilité a rendu possible, avec toi toute maladie nous yo a guéri. Avec toi, tout est bien. Oui, tout est bien. Sois avec nous, ô Dieu. Sois avec les malades. Si là où qui trouvent dans une situation difficile. Et en ce midi, nous voulons lever par devant toi. La famille Luni Dolce, la famille Luni Dolce, la sœur Linda Sévère et famille, le frère
Wesley Altidor et famille, le frère Franklin Dossou et famille, la sœur Iramène Williams et famille, qui besoin dans moment ça. Nous voulons lever par devant toi la famille Robinson, la famille Kenson Métayer, la famille Léodé Alexandre, la famille Elud Jean, le frère Eddy, le frère Siméon Wilner Bernadette, la sœur Louis-Nid Nancy Saïka, la famille Écho des élus, le pasteur Rapo, qui ont besoin pour vous dans ce moment ça, et qui attendent une intervention de ta part. N'ont pas oublié lever par devant toi la sœur Milande Azor et famille, la sœur Linva Slandina, Jules Sandli, Alex et Iberson Jules Liva. Sans oublier le monde que nous pas cité, Seigneur Dieu, qui ont besoin quelconque, mais qui attendent que vous fassiez une intervention dans la vie. Yo. Gen an pil nan yo problème, yo pa ka tann encore. Gen an pil nan yo nan quartier kote yo trouvé yo, an pil moun commencé a grien dans sou yo. Mais m'a mandé de grâce que ou capable accorder yo de la victoire. Afin que Seigneur par entremise yo après qu'au fin délivré yo à travers yo même tout monde capable dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Notre Père et notre Dieu. Il y a un pile monde dans moment ça que nous pas cité mais qui a participé à cette prière qui a un problème quelconque que nous ignorer. Mais maman de grâce notre Dieu notre Père dit un mot pour yo. Monde que ou yé a ou pas besoin de dire plusieurs mots, ou pas besoin de prononcer plusieurs mots pour que nous capable joindre une solution à problème yo. Dit un seul mot. Parce que nous connaissons un mot qui sortit de roule, il suffit pour capable porter guérison totale et complète dans la vie petit. Gen pile nan yo qui malade Seigneur, gen pile nan yo médecin pas ba yo espoir. Et gen nan yo tout médecin prescrit yo des médicaments. Et gens qu'on habitué dit là à l'intérieur de yo vente yo tourner yon pharmacie tellement gagné médicaments y a boit tellement gagné comprimé que y a boit. Mais nous connais Seigneur le médecin par excellence c'est toi. Médecin yo capable toujours bay des prescriptions. Mais celui qui guérit s'appelle Jésus de Nazareth. Gen qui na prison innocemment que capable voler au secours de yo. Et en cet instant, notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander, tandis que nous nous approchons du Saint Sabbat, que ta paix, notre Dieu, notre Père, et ta grâce se repose sur nous et que tu nous donnes, notre Dieu, notre Père, de nous apprêter pour entrer dans la louange qui t'est due, dans ton Saint Sabbat, dans la louange qui t'est due, et que dans l'intimité avec toi, nous capables de vivre le bonheur et expérimenter un sentiment de bien-être qu'apporte le sabbat. Que chaque monde qui peut faire expérience de l'observation du sabbat, que ce sabbat capable de rapprocher yo de vous, et que yo capable goûter de charme qui gagne dans la communion avec toi dans le sabbat pour t'adorer en esprit et en vérité. Écoute, pardonne, exauce, et nous bénirons ton saint et grand nom à toujours et à perpétuité. Nous te formulons cette prière, notre Dieu, notre Père, non parce que nous avons des mérites, mais c'est au nom et par les mérites infinis de Jésus, à lui reviennent la gloire, l'honneur, la magnificence, l'exaltation
dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Auditeurs et auditrices de cette plateforme, Cri des martyrs, il a été pour nous un plaisir de prier pour vous en ce vendredi 26 novembre 2021. Nous vous attendons vendredi prochain pour la suite de ce programme. Mais restez branchés sur cette plateforme, Cri des martyrs, parce que nous connaissons, dans le temps que nous vivons là, tout autant que nous approchons vers la fin, nous devons approcher nous plus près de Dieu. Merci de votre écoute, merci d'avoir participé. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et déjà bonne préparation du Saint-Sabbat de l'Éternel.